Alors, juste, c'est Pascali qui est JET de greffière, bien sûr, ce soir. Alors, Pascali, j'aimerais te faire mention que j'ai avec moi au téléphone, qui est à l'extérieur de la ville, M. Michel Leblanc. Michel, est-ce que tu pourrais t'identifier, s'il te plaît? Est-ce que tu attestes que tu es par téléphone en ce moment à distance pour la réunion de l'Assemblée extraordinaire? Cinq un quatre. Est-ce que ça vous va, Madame Tanguy, pour l'identification? Oh, Pascali qui. Oui, parfait, Oui, c'est beau, c'est gelé, parfait. ben Alors, oui. Monsieur Leblanc est là, Madame Bates, vous avez tout le monde. Alors, j'ai tout le monde, on peut procéder à la renonciation à la convocation. Tout le monde est d'accord pour renoncer à la convocation? Oui. Incluant Monsieur Michel Leblanc. Monsieur Leblanc, êtes-vous pour la vie convocation de l'opposition y renonce? OK, parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour proposé par. Je propose. Je seconde. Période de questions du public. Est-ce que nous avons des gens, Madame Hudon? Non, nous n'avons personne dans la salle. OK, bon, je vais essayer de récupérer la résolution. La renonciation a été faite. OK, résolution concernant la carte. Considérant le rapport verbal effectué par la directrice générale de la Ville de Sainte-Catherine concernant des allégations mettant en cause le directeur général de la CARP, considérant la nécessité de préserver les intérêts légitimes de la CARP et de la Ville de Sainte-Catherine, le temps que la lumière soit faite sur ces allégations, considérant qu'il y a urgence d'agir, considérant le rôle continu et soutenu de Laurence Thalie-Auberçon auprès de la CAP. Alors, un instant. De demander au CA de la CAP de suspendre administrativement avec solde le directeur général de la CAP et de couper tous ses accès au site, aux employés et aux applications web et informatiques immédiatement. De faire enquête sur les allégations mettant en cause le directeur général de la CAP et de décider de son sort en conséquence, d'exiger de la collaboration de la CARP lors du déroulement de cette enquête, de nommer un directeur général par intérim, en l'occurrence, Mme Laurence Thalie-Auberçon, en son absence, et que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution proposée par. Je propose, Sylvain Bouchard. Appuyé. Je l'appuie, Michel Leblanc. Merci. Alors, la levée de la séance, Madame la mairesse. On y va avec la levée de la séance proposée par. Je propose, Madame la mairesse. Je l'appuie, Julie. Julie, merci beaucoup. Bonne fin de soirée.